Hello guys, hope you guys are doing good. It's your boy Spade in the building. Et là, départ pour Sali. On va aller passer le week-end à Sali. Paraît-il que c'est le plus beau endroit et que plein de personnes passent leur week-end là-bas. Alors nous, on va aller passer notre week-end à Sali à deux. Alors je vous invite avec moi, je vais vous montrer tout ce qu'il faut, le trajet, Sali, ce qu'on va faire comme activité là-bas. Et let's go les amis. Bang. Ah, ça c'est du bon tiep qu'on va manger avant de partir. Alors avant de repartir à Sali, on a fait un petit détour chez la dame d'Akoko pour manger du bon tiep blanc parce qu'on n'a pas encore mangé. Et là, on va faire le plein avant de partir à Sali, c'est ça? Oui, le fameux tiep blanc. Tiep blanc, le fameux tiep blanc. Donc, le Sénégal, c'est un bon pays, non? Non, c'est pas un bon pays. C'est le pays de merde. Pourquoi tu dis ça? À cause de quoi? Des histoires politiques, tout ça, ou bien comment? Sénégal, oui? Les politiciens riches, population pauvre. Oh. Une personne y prend 50 milliards, 100 milliards, une personne seule. Mm-hmm. Oui. Garder à la maison, que ça c'est normal. Il m'a dit que c'est conséquent. C'est sur les gens qui ont un paquet. Il m'a dit que c'est le même. Tout le monde est beau, c'est le même. Alors après être installé dans la villa, on va faire un tour là à la plage, magnifique plage, un peu d'énergie drink pour remonter le moral. Là il faut constater qu'il y a beaucoup de personnes qui font du sport là, hein. Énormément, bon, bref au Sénégal même, ils aiment bien le sport. Ah où les gens disent que non, salut, tout est cher, il n'y a pas de main, je vois qu'il y a une vie dans la ville en fait. Il y a une vie dans la ville. C'est leur quotidien, voilà. Et il y en a aussi qui viennent pour juste le tourisme et ils repartent après. Là, je pense qu'il y a des autochtones qui sont là, qui profitent bien de la journée, de la plage, de tout ce qui suit. Et il y a ceux qui viennent aussi, qui repartent comme des touristes. Mais je pense que la vie serait très belle ici, en immersion. En immersion totale. Le coucher de soleil est tellement beau, le téléphone ne lui rend pas justice. Non, 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 pas du tout. Même si on le fait, pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Wow. Wow. C'est tranquille. En fait, il n'y a pas un bruit de voiture. Non, pas un bruit de voiture, ni de même des motos, c'est non, rare. C'est tout vraiment... le monde marche. On dirait une ville en Vice City ou en GTA 5 ou quoi, tu vois. Où c'est tranquille, tout le monde vit. Là, c'est le Miami d'Afrique de Direct.
En fait, Emmanuel fait bien de vous dire de casser le mythe de Sally, c'est cher. Ah ouais, casser si le mythe. Vous avez là. Les moyens, enfin. C'est bien. En fait. Il faut vraiment faire cette expérience. Si tu as les moyens aussi, c'est bien. Ouais. Mais si tu n'as pas assez de moyens aussi, c'est possible. Tu peux aussi vivre à Sally. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent avant de venir à Sally. Oui. Tout le monde joue au foot. C'est faux. Enfin, on a cuisiné ensemble pour nous deux. C'est faux. Tu as cuisiné. Ouais, après ça. On a mangé au bord de la piscine. Parce que pourquoi avoir une telle vue et s'enfermer? Incredible. Bon, à nous le goût. À vous la vue. Bon les amis, j'espère que vous allez super bien. It's your boy Spade in the building, like you always know, always fresh, like you know. Le boy est en train de kiffer au maximum. On est au karting club Karting Sally ici. On va faire du karting. J'ai déjà fait plein de vidéos de karting sur ma chaîne. Si ceux qui sont là, hein, ça fait longtemps, vous devez savoir qu'il y a plein de vidéos de karting sur ma chaîne. Et là, aujourd'hui, on est à Sally, au Sénégal, et on va aussi faire du karting. Nous sommes au karting club là. On va démarrer tout de suite. Ça, c'est une nouvelle journée qui commence comme ça. Voilà, karting, après on va aller manger, après on va aller jouer au foot, on va faire plein de trucs, on va nager, piscine. Il y a, la journée est chargée, les gars. Je n'ai pas envie de trop parler. Donc, suivez-moi dans cette vidéo. Et vous savez comment donner de la force. Donner de la force avec des likes, avec des commentaires, avec des abonnements et tout. Let's go. It's your boy. Spin the building. Fresh boy in the building. Let's go. Bang. Là pour les équipements, il y a tellement d'équipements ici. Hein. Vous pouvez voir les chaussures qui sont adaptées, les couvre-têtes, c'est quoi qu'on appelle ça, hein. Charlotte, voilà, et les casques aussi, voilà. Merci. Voilà. Bien équipé. Ok. Pour le coup, ça c'est important, les chocs. Voilà. Je suis prêt là. Prêt à y aller. Voilà à quoi on ressemble un peu quand on est au karting Sally. La piste est bonne. On va démarrer là. On va prendre les cartes à deux. Vous savez, je suis là. En... Donc on va prendre le carte à deux, à double, je dirais. Et voilà, on y va. Je te compte un peu les cartes. Les instructions étaient déjà données pour se mettre à la piste et voilà, on a déjà eu les instructions nécessaires qu'il faut, voilà, on se met à la piste et let's go. Oh.
I love this day! Love this day! This is nous venons de terminer au Karting Club Sally et cette séance de karting a été à moitié sponsorisée par Karting Sally et vous pouvez faire votre tour aussi. La séance est à 10 000 en double, c'est à 15 000 francs, 10 minutes de kart. Et si vous voulez faire plusieurs sessions, il y a des réductions qu'on peut vous accorder aussi. Alors les amis, moi je suis bien habillé là. Je vais aller jouer au foot à la plage de Sally. Je vais aller jouer au foot les amis. Ah, la journée continue. Ici, en fait ce que je ne comprends pas c'est que ici le soleil se couche très tard, d'accord? Donc il y a toujours le soleil jusqu'à 19h. Là, il est 17h. Normalement, au Togo, je vais jouer au foot à 15h. Normalement, je joue au foot à 15h et on termine dès les 17h. Contrairement à ici, là, je vais aller jouer au foot à 17h et on termine à 10h. Alors ici, comme c'est un quartier résidentiel, que c'est assez calme, les gens ils font beaucoup de pétanque. Ils font beaucoup de pétanque dans la zone parce que c'est juste ce qui leur permet de ne pas s'ennuyer, surtout les après-midi. Il y a beaucoup de pétanque ici. Mais là, moi j'ai laissé le terrain de pétanque, ça va aller bon. J'ai laissé le terrain de pétanque et moi je vais aller jouer au foot parce que le foot c'est mon truc, vous voyez. Mais c'est vrai, tout le monde a presque un terrain de pétanque devant chez lui ici. Tout le monde a un terrain de pétanque, donc là, les après-midi, à partir de 15h déjà, il y a des matchs de pétanque jusqu'au... Il y a certains même qui ont des lampadaires sur le terrain de pétanque, donc ils peuvent jouer jusqu'à 19h, 20h, voilà. Alors là, c'est la nuit et j'ai fait une surprise où on a voulu faire un dîner entre amoureux à la plage autour du feu avec du tam-tam et de la danse.
Alors, on vient de terminer la soirée ici à Tuki Lounge. Pour des voyageurs qui vont passer à Salé, c'est un endroit superbe. Le gérant nous a réellement bien reçu. Et c'est un endroit très sympathique où vous pouvez passer votre soirée, passer aussi du temps avec vos amis là. Ils ouvrent jusqu'à 2h du matin à Salé. C'est l'endroit que moi je vous conseille de visiter. En plus, les services sont bien et ils sont réellement sympas. On termine le vlog d'aujourd'hui comme ça ici. Et place à demain. On va quitter Salé demain. On a passé de très bons moments à Salé. Et surtout la journée, cette journée c'était intense et super bien. Alors les amis, si vous avez aimé le vlog de la journée d'aujourd'hui, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est super important. Et voilà, on va encore découvrir et vous faire découvrir. So let's go. It's your boy Spirit in the building. Love you guys. Peace out.